Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Alors ce soir on va continuer notre ami le Alors ce soir on va légionnaire continuer notre romain ami tranquillement. le légionnaire romain tranquillement. Coucou SDX, t'es encore dans le coin? Coucou SDX, t'es encore dans le coin? Hop, on va essayer de ranger ça pour pas le perdre. Hop, on va essayer de ranger ça pour pas le perdre. Hop là. Hop là. Bah écoute, ouais, ça va. On va Bah continuer écoute, ouais, ça tranquillement va. notre petit légionnaire ce soir. On va continuer Enfin, on tranquillement va notre essayer en petit tout cas. légionnaire ce soir. Enfin, on va essayer en tout cas. Et toi, t'as fait quoi de beau? Et toi, t'as fait quoi de beau? T'as appris à 17h que tu travaillais demain. Effectivement, c'est T'as appris à sympa. 17h que tu travaillais demain. Effectivement, c'est sympa. Sympa le patron qui dit à 5h d'après-midi que bah demain t'as au boulot. Sympa le patron qui dit à 5h d'après-midi que bah demain t'as au boulot. Et tu commences à quelle heure demain? Et tu commences à quelle heure demain? Ah, j'ai le téléphone qui se rebelle. Ah, j'ai le téléphone qui se rebelle. Tu commences à 6h30. Waouh. Tu commences à 6h30. Waouh. Ah donc en fait on t'annonce ce soir tu te couches pas trop tard parce que demain Ah donc en fait tu on à t'annonce ce 6h30 soir t'es tu te là couches quoi. pas trop tard parce que demain tu à Ouais. 6h30 t'es là quoi. Ouais.
Mais bon, c'est comme ça, c'est le boulot, on va pas se plaindre, on bosse. Mais bon, c'est comme ça, c'est le boulot, on va pas se plaindre, on bosse. Voilà. Bon, je vais descendre cette lumière, je vois rien ce que je fais. Hop. Je vais descendre cette lumière, je vois rien ce que je fais. Désolé, petite adaptation technique en plein live. Salut Friso! Désolé, petite adaptation technique en plein live. Salut Friso! Mais de rien, monsieur Frisou, de rien. Mais de rien, monsieur Frisou, de rien. Je suis désolé, vous voyez pas grand chose à la caméra, mais c'est un désolé, vous voyez pas tout grand petit chose à la bouclier, caméra, enfin un mais tout c'est un petit bord de bouclier tout que je dois passer en bronze. petit bouclier, enfin un Alors tout c'est petit un bord petit peu de bouclier que je dois casse-pied. passer en bronze. Alors c'est un petit peu casse-pied. Sinon, à part ça, qu'est-ce que ça raconte de beau? Sinon, à part ça, qu'est-ce que ça raconte de beau? Ah oui. Ah oui.
C'est pas normal d'ailleurs. C'est pas normal d'ailleurs. Merci, comme... Merci, comme... Le tombé de pinceau en live, c'est magnifique. Le tombé de pinceau en live, c'est magnifique. Quelle idée j'ai eu de voir me lancer dans la figurine historique. Quelle idée j'ai eu de voir me lancer dans la figurine historique.
Kikiyoshi, bonsoir. Kikiyoshi, bonsoir, Comment va mon Kamui. impératrice? Comment va mon impératrice? Bon, écoute, ça va très bien. Bon, écoute, ça va très bien. T'as chopé froid, ça c'est pas cool par contre. T'as chopé froid, ça c'est pas cool par contre. Faut demander à Minou de te tenir chaud, ma belle Kiki. Faut demander à Minou de te tenir chaud, ma belle Kiki. Normalement, si c'est un chat gentil, il va être d'accord. Normalement, Voilà, si c'est un j'allais chat dire. gentil, il va être d'accord. Voilà, j'allais dire. Transmission de pensée. Transmission de pensée. Do stream alors qu'il est là ou pas? Do stream alors qu'il est là ou pas? Attends, je vais faire une petite manip technique. Vous m'excusez, il va y avoir un peu de mouvement Vous dans tous les m'excusez, il va sens, y hein. avoir un peu de mouvement dans tous les sens, hein. PSK sont devant en farming, c'est ce que l'on veut, c'est eux qui vont devoir.
Voilà, comme ça me permet de surveiller ce qu'il fait en même temps. Ouais, c'est ça en fait. On va pouvoir le surveiller, être sûr qu'il fasse pas de bêtises. Putain, sa hyène, elle a de plus en plus de gueule. Je crois que j'ai peut-être plus long sur mon Discord quand même.
Do pourrait me faire un petit coucou à la caméra pour me dire bonjour quand même. Hein. On va faire coucou à Do. Coucou Do! Il va pas comprendre pourquoi tu dis ça aussi. Je suis pas sûr qu'il soit au courant, qu'il soit. Coucou! Si, il a bien compris. On se voit, oui. J'arrive. Je suis en train de chercher un truc que je trouve plus. Ah bah si, je suis là-bas en bas, je suis con. C'est du grand n'importe quoi. Il y a quelques jours, je me disais que le nombre de soirées que je passe chez Do, etc., j'avance pas sur les figues, je prends pas le temps de streamer. Ben, j'ai trouvé la technique, on va faire du multi-stream comme ça. Puis en plus, ça a tous les avantages pour Do, parce que pendant ce temps-là, je peux pas dire de bêtises sur le chat. C'est joli ça. Ouais, bon, vous voyez en live ce que je fais, hein, mais c'est pas bien grave. C'est sympa cette technique.
En plus, je percutais un truc, je suis même pas sûr que Do avait déjà vu ma tronche en physique en fait. Bah il verra ma tête pour la première fois, c'est impeccable. Ah oui. Il se rendra peut-être compte que je suis pas aussi fou que ce que je veux bien laisser paraître. Quoique je pense pas qu'il doute beaucoup là-dessus. Alors. Ça sert à quelque chose de remettre des pots dans cet état-là, dans le. Poubelle! Bon, on va reculer ça avant qu'il y ait une cata. Désolé, il va y avoir un peu de bruit, je précise. Ouais, mais Do, réduis pas tes images, on les voit plus chez moi.
Je l'avais dans les mains 2 minutes. On va essayer comme ça. Voilà, un bon gros plan de l'alien. C'est magnifique, c'est impeccable. D'où il a tout compris. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais passer des heures sur ce bouclier.
pire, c'est que comme j'ai travaillé comme un cochon, je vais pouvoir apprendre mes peintures de base, mon vert et mon bleu juste après. Coucou Emrico, comment il va? Bah écoute, moi de mon côté ça va, je galère sur un putain de bouclier avec ses bords ultra fins qui me commencent à me fatiguer. Mais sinon ça va. Je suis le grand malade qui a décidé de faire de l'historique alors que c'était pas une bonne idée. Pour donner une idée de la bordure. Ouais, c'est mon fameux, enfin, c'est le bouclier qui va avec mon légionnaire, oui. Le légionnaire, il est là. Oh, il est très très loin d'être fini. Hein. Non, c'est un décalco. Ils ont triché pour les dessins. Ils ont triché pour les dessins. Qu'est-ce qu'il nous a fait, le bestiau? Qu'est-ce qu'il nous a encore fait, lui? Ah, c'est moche de la part de Cana... d'eau, pardon. Oh, que c'est moche. Ah, tu m'étonnes qu'il est parti en vrille. Lui qui fait jamais ça habituellement. C'est le mec le plus respectueux des gens que je connaisse. Et là, il va te faire la vieille vanne pourrie dégueulasse.
D'accord. Bah, c'est pas mieux. C'est pas le dernier non plus. J'ai l'impression que ça lui arrive pas très souvent, mais quand il part en vrille, ça doit être un sacré aussi, celui-là. D'accord, ok. Ouais, exactement l'inverse de moi, quoi. Voilà. Il me prend pour un excité terminé alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Et moi je le prends pour quelqu'un d'hyper calme alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Bienvenue dans le monde merveilleux des personnalités qu'on se donne sur Internet. Bon appétit. D'ailleurs, Kiki, je sais pas si c'est parce que c'est moi, si tu aimes la peinture sur figurine. Mais si c'est le cas, si tu aimes la peinture sur figurine, je vais t'inviter à aller voir la chaîne d'Emery Cook, parce que franchement, lui est un peintre, un vrai, qui a un niveau 10 000 fois supérieur au mien. Et lui fait des trucs de malade, mais réellement de malade sur ses figurines. Même s'il veut pas l'admettre.
Bah non, c'est pas gentil, c'est la vérité. Par contre, Kiki, pardon. Enrico, t'es gentil avec mon impératrice. Hein. Sinon, elle fera. Elle a pas l'air comme ça, mais. J'en fais tomber mon pinceau. Bah oui. Mais c'est quoi cette connerie de figue? Ok. Ouais, c'est vrai, c'est un gentil Mricou en fait. Au fait, Mricou, je pense à un truc. Tu disais que tu passes demain en mag. N'oublie pas que comme on est sur des horaires Covid un peu resserrés, le magasin il est ouvert que de 10h à 14h demain.
sont super bons ces savons en fait. Ok, un pack. Putain, les crabes, ce pinceau, c'est un truc de malade. Il va finir dans le bac à ultrasons. Lui. Bon allez mes petits loulous, je pars en pause deux petites minutes, je vous laisse et je reviens le temps que je mets ma clope. Et je suis là. A tout de suite. Je vous laisse en compagnie de Dohan.
Hop là. Attention, ça va se préparer à clipper. J'étais en train de penser à une petite vacherie pendant que j'étais en pause. J'étais en train de me dire que de regarder Dohan sans le son, avec une petite musique de fond et sans le chat, c'est quand même vachement reposant. Best Queen, qu'est-ce qu'il a encore sorti celui-là? Qu'est-ce qu'il nous a encore fait? Oh là, la déclaration d'amour, ça kiki. Ah, carrément. Coucou Color. Ouais, bah en fait le clip sale c'est bon là, il n'y a pas de souci, impeccable. On va pouvoir le faire souffrir un petit peu. Ah bah ouais. Je voulais me faire un t-shirt à ton effigie Color, mais j'ai pas réussi à choper ta tête donc. Celui de Bitdef, ouais, bah effectivement. J'en ai 6 comme ça, alors. Puis comme ils sont super confortables. Eh, oui, ça va. Pourquoi demain tu te caches le visage? Pour quelle raison? Oh non, j'ai pas du tout fini les Stormcast. Je suis juste passé à autre chose histoire de changer un peu. J'ai voulu faire la figurine historique pour changer un peu. Eh ben, c'était pas la meilleure idée. C'est quand tu fais de la figue historique que tu te rends compte que les figues citadelles sont très très bonnes quand même. Hein. Si tu finis en t-shirt, ça va pas le faire. Mais si, t'inquiète pas. Quand je t'ai proposé une séance photo tout à l'heure pour te modéliser en 3D, je pensais pas spécialement à une photo en t-shirt, tu vois. Pour pouvoir modéliser, il va falloir l'anatomie complète.
Ah, tu voulais finir sur un t-shirt. D'accord. Je comprends mieux. Donc alors, les dés n'étaient pas contre toi, les dés ne sont jamais contre personne. T'es pas bon, c'est tout. Ne rejette pas la faute sur les dés. Voilà. Dis-le comme ça, c'est plus honnête et ça touche plus à la réalité de la chose. Et moi, j'ai foutu du doré partout. Voilà, parce que j'ai peint comme un porc. Je suis en train de foutre. Ah, mais c'est ça le problème. Il est là le problème. J'ai des pigments de doré sur les doigts. Saviez pas le dire, les garçons? Kiki, tu aurais pu me dire que j'avais des pigments dorés sur les doigts aussi. Hein. C'est pas gentil de ta part. Hein. Ah ouais, franchement. Tu nommes une impératrice, elle n'est même pas capable de voir que j'ai des pigments sur les doigts, franchement. Il est temps que tu fasses une commande de Gameswork, tes pots de shite sont au bout du rouleau. Sont au bout du bout. Bah tu la fais pas tout de suite, t'attends de passer en magasin demain. J'en ai plein de magasins des shites. Ou alors tu la fais sur le site web et je te la prépare pour demain. Lequel, celui que j'ai ici? C'est un P.A. Kolinsky. C'est un prince Auguste en Kolinsky Martre en zéro. Et le noir que je tiens dans les mains actuellement, c'est un Citadel base.
Ben, attends, je vais m'expliquer sur le fait que j'ai les Gameswork quand même. Ils ne sont pas à moi. C'est un peintre qui me les a donnés dans un état déplorable pour la plupart. Donc oui, j'ai des pinceaux Games entre les mains qui valent des vraies fortunes pour en rien. Qui en plus me font des traces de malade quand je peins. Que j'essaye donc de rattraper ce qui fera encore plus de traces. Oui, j'ai la green stuff au bout, je l'avoue. Et oh que là, on se calme, hein? Je ne suis pas peintre, tu m'as pas encore donné tes cours, j'attends. Ils font des pains de game soir qu'on les trouve à Casto. Ouais, tu dois pouvoir les trouver à Casto, ouais, vu la gueule des pinceaux. Alors, faut quand même savoir que c'est l'un des seuls fabricants. Oh putain, je suis bobo. Un des seuls fabricants de pinceaux, qui est quand même très connu, à être capable de sortir ça. À part repeindre ma maison avec, je vois pas ce que je vais en faire. Ah oui, non, celui qui m'a donné les pinceaux dans un état déplorable. Oui, c'est un joueur tyrannique, donc ça, je te laisse imaginer la qualité du peintre. Une fois que t'as dit que c'est un joueur tyrannique, t'as tout compris. Oui, ben je le sais, Mricou, que c'est pour les décors. Mais bon, t'as vu la taille du truc, toi? Sérieusement, t'as vu la taille du machin? Où est-ce que t'as piqué ça, toi? Il me faut cet émoticône. J'en ai besoin pour chez Dohan. Non, ça n'existe pas, Color. Un peintre, un joueur tyrannie de bon peintre, ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est une légende urbaine. C'est comme les joueurs de Dark Elf qui gagnent les parties, ça n'existe pas.
Ah, mais le chèque comme ça, il faut que je le récupère. C'est pour embêter mon ami Canador sur la chaîne de douane. Mais putain, elle me fatigue cette figurine. Je vais devoir la vernir, je vais pas avoir le choix. Alors vous voyez peut-être pas la caméra, enfin je vais essayer, mais je suis pas sûr, vous allez voir. Au moindre choc, en fait, la peinture se barre. Attention, quand je parle de choc, je parle pas de la faire tomber ou... Alors, pour être totalement franc avec toi, je sais qu'il faut le faire, et je l'ai complètement oublié. Et comme en plus je l'ai manipulé dans tous les sens pour la coller, parce que bien entendu, comme ce sont des figurines historiques, il n'y a pas de point de repère pour les colles. Sinon, c'est pas. C'est du plastique, quoi. Et il n'y a pas de point de repère pour les cols, donc tu es obligé de manipuler les pièces dans tous les sens. Donc je pense que j'ai dû déposer gentiment bien du gras sur toute la figue avant de la peindre. Ah voilà, c'est ça. Je pense que c'est le sébum de la peau, effectivement, qui s'est déposé un peu partout et qui a foutu un joli bordel. Il faut que tu ailles à Lidl en parlant d'américain. Hein? Ah, l'américain fricadelle. J'avais mangé quoi, je sais même plus. Mais je suis con aussi, putain. Je peins, je pose la figurine là où j'ai peint. Oh. Ah oui, effectivement, oui. Un tout petit peu, Mérico. Un tout petit peu, oui. Bon, on va laisser sécher cette chose avant de d'attaquer la suite. Thank you.
Bon, après, il y a un truc qui joue aussi, c'est que c'est la première fois que je peins avec un pinceau aussi fin. Le revêtement mousepad qui absorbe la peinture. Tu penses à un tapis de souris? Non mais tu cherches les ennuis aussi. Ouais, tout à fait, Rico. Non, mais si je vous dis que j'en ai un juste à 20 cm à ma droite. Hey. Couleur, tu vois Bob passer. Tu vois Bob alors que c'est mon homme. Ah, Bob l'éponge, je pensais que tu parlais de mon chien. Non mais. J'ai pas du tout ce qu'il faut, hein. Ton fils avait renversé de la contraste. Tu l'as jeté, j'espère. Le fils, hein, pas la contraste.
C'est ta faute, il est trop petit pour savoir. Il est jamais trop petit. On touche pas aux peintures à papa. Tu l'enfermes jusqu'à sa majorité à la cave. Il veut devenir éleveur d'araignées, c'est pas mal. C'est un bon métier. J'ai raté des messages, c'est possible. En plus, je les sponsor. Ah oui, ok, pas de problème. Ouais, je pense que je vais te sponsor un tapis, Bricou, demain. Tu me le rappelles si jamais j'oublie, parce que je vais pas y penser. Mais c'est pas un problème, j'en ai d'autres en stock. Hein. Je peux t'en filer un, c'est pas un souci. Il faut juste que tu me le rappelles, je vais complètement zapper sinon. Victor, je te rappelle que je t'en ai filé un. Hein. Enfin, il me semble en tout cas. Ah bah tu vois, c'est un oubli de ma part. Ce qu'il était prévu que je t'en file un. Pareil pour toi, tu me rappelles quand tu viens au mag. Des bisous, Mricou, peut-être à tout à l'heure, si tu arrives à streamer ce soir. Non mais sérieux Victor, hein, si tu te rappelles un peu, enfin si tu penses à ce moment-là, rappelle-moi, c'est pas du tout un souci, j'en ai encore plusieurs en stock, mais il faut que tu me le rappelles, sinon je vais l'oublier. Oh, c'est gentil. C'est super gentil. Bon, sinon, il y a M. Emricou qui se pointe au magasin demain, si ça te dit de le voir. Ce truc, c'est que tu te lèves de bonne heure puisqu'il vient pour 10h30 au mag.
Ouais, c'est pas faux. Bon, d'accord. Pourquoi j'ai eu l'idée de vous refaire de l'historique, hein? Non, c'est surtout que, sincèrement, pour le prix de la figue, elle fait 10 balles. C'est plus histoire de passer un peu le temps, quoi. Sincèrement, je recommanderais pas ce type de figurine à des gens qui veulent vraiment le faire pour les garder à la maison. C'est très bien pour passer le temps le soir, pour se détendre un peu. Pour la massacrer quand tu apprends à faire de la peinture. Non mais franchement, il aurait fallu que je fasse l'unboxing en live pour que tu comprennes. Bon, d'ailleurs, je peux en faire un, t'en bouge pas. Je termine juste son épaule et je suis à toi. Voilà, j'y suis. Non, parce que, histoire d'être con jusqu'au bout, j'en ai pas acheté qu'une, j'en ai acheté six. Voilà comment ça se présente. Toi, tu veux unboxer ta carte graphique? T'as été acheter une carte graphique ailleurs, tu veux que je te frappe? Voilà. Donc ça se présente comme ça, jolie boîte, hein, spartiate. De chez Mini Art. Là, pardon. Donc voilà, je vous le dis, n'achetez pas. Voilà. Et dans une boîte, tu as un bout de papier comme ça. Voilà, hein. Voilà. Et ensuite, t'as ça et tu te démerdes. Voilà. Histoire de bien comprendre.
histoire de bien comprendre la, la qualité de ces figues. Là, t'as des mèches de cheveux. Voilà. Là. Au milieu du truc de plastique. Là, t'as un morceau de pagne, je pense, ou de connerie. Hop, bouge pas. Voilà, au milieu du plastique. Là. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé, c'est pas. C'était juste pour te montrer la grande qualité de coulage de ces figurines. En fait, le seul truc. J'ai failli péter les calcos. Non, ce que t'as vu, ça va là ici en fait, normalement. Non, non, c'est pas une mèche de cheveux, c'est l'espèce de casque à poils qu'il a sur la tête là.
Mais comment j'ai réussi à me foutre du verre là-dessus, hein? Putain, dans la série du mec pas doué, je suis bon quand même, hein? Ouais, je suis quitte à le reprendre. On m'entend râler jusqu'à chez Kobe. C'est pas impossible. Non, parce que là, j'ai quand même été un babage complet. J'ai réussi à foutre du verre sur mon casque. Alors après, je pense que le truc que tu entends chez Kobe, c'est pas moi à travers la pièce de la maison. C'est parce que Kobe doit avoir mon stream ouvert. Bah non, il a raison, il veut vendre une 3090, il a totalement raison. Ah, coût 2400 euros la carte, franchement, t'exagères. Tu mets pas de bonne volonté là quand même. Hein. Non, par contre, sérieusement, en carte graphique actuellement, c'est l'hécatombe. Il n'y a pas que pour toi, hein, Color. Je te rassure, hein. C'est pas nous qui le voulons. C'est pas une histoire de vouloir spéculer ou quoi que ce soit, hein.
C'est, je fais mes marches tout à fait habituelles sur les cartes. Je, voilà, je veux dire, on n'exagère pas rien. C'est juste que les tarifs de... Et ça vient pas les bitcoins ou quoi que ce soit, on est bien d'accord. Hein. C'est vraiment le Covid actuellement qui a fait que les chaînes de fabrication ont été arrêtées. La communauté joueur, enfin pas que les chaînes de fabrication, mais les gens ont été arrêtés chez eux. Et les mecs, ils ont rien trouvé de mieux que de... Bah, que de refaire leur config parce qu'ils avaient rien d'autre à foutre, pour être totalement clair. Et ça spécule, et enfin, forcément, la loi de l'offre et la demande. T'as beaucoup plus de demandes que ce que tu peux produire. Et ben, les prix montent. Quand tu vois qu'actuellement, des très gros fabricants, je ne les citerai pas parce que voilà, mais de très, 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 très gros fabricants de cartes graphiques actuellement, ont des chaînes de fabrication qui ne tournent que pour les précommandes des cartes. Parce qu'ils sont même pas en capacité physique de pouvoir produire autant que la demande mondiale actuellement. Voilà. Et dans 95,5% des cas, pour pas dire 100% parce que je suis un mec gentil, ça leur sert absolument à rien. Prendre de la RTX 3090, 3070 ou 3080 pour aller faire du Minecraft. Oui, mais tu comprends, ça fait de la 3D. Oui, effectivement. Je suis pas sûr et certain de prendre une carte comme celle-là pour faire du polygone de base comme peut le faire Minecraft actuellement sur la meilleure solution, mais bon. Soit. Bon, après, il n'y a pas que les joueurs. J'ai vu un message passer cet après-midi sur Internet, parce que je cherchais de l'alcool isopropylique pour mon imprimante résine qui arrive. Et pour bien faire, le seul endroit dans ce bas monde où on arrive à en trouver, c'est sur Amazon. Parce que, bon, voilà. Donc, même si je suis vraiment de chez vraiment pas chaud pour les acheter chez eux, et que tu vois que cet après-midi, il y a une gonzesse qui cherchait une RTX parce qu'elle fait de l'Excel. Et que ses graphiques Excel seront plus beaux grâce à sa RTX. Tu te dis quand même qu'il y a un problème.
L'alcool à brûler, ça a quand même une sale odeur par rapport à l'alcool isopropylique. Même si ça sent l'alcool isopropylique, j'ai peut-être trouvé un intermédiaire entre les deux qui est vendu sur le marché français sous le nom d'alcool industriel, qui est en fait un mélange d'alcool isopropylique et d'alcool à brûler, à peu près, et qui aurait le. La particularité de sentir beaucoup moins que l'alcool à brûler. On verra bien. Parce que l'alcool isopropylique, c'est pareil, hein. Les prix, ils sont. Je regardais un peu la courbe de prix de gens qui s'y intéressent un peu. On est passé de quasiment 1,50 € le litre à. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est l'isopropanol. Tu es passé d'1,50 € le litre à quasiment 7 € actuellement. Parce que comme les mecs, ils avaient rien à foutre chez eux pendant le confinement, ils ont acheté des imprimantes 3D et des imprimantes résine. Bah oui, puis après, ils font de la SHA avec, on est d'accord, mais. Voilà. Oh, puis ça a plein d'autres vertus, l'alcool isopropylique. C'est de l'alcool à 99,9% pur. Donc tu mélanges quelques petites poudres à l'intérieur pour bien les dissoudre. Puis quand tu as passé les douanes, tu ouvres la bouteille, tu laisses l'alcool s'évaporer, il te reste que la poudre dans la bouteille. Bon, je devrais fermer ma gueule parce que c'est pas le lieu pour dire ça, mais. C'est d'ailleurs entre autres pour ça que l'alcool isopropylique est interdit à la vente en France. Et d'ailleurs aussi pour ça que dans l'alcool industriel et dans l'alcool à brûler, il y a un additif pour les rendre impropres à la consommation. J'en ai pris deux. J'ai pris une. En filament, j'ai pris la CR10 Max. Donc, qui est en fait exactement la même que la CR10 Pro, sauf qu'elle a un plateau de 45 sur 40. Enfin, elle peut imprimer du 45 sur 45 sur 45. Et en résine, je suis parti sur une marque. Donc, toujours sur du Creative. Enfin, sur le Creality, pardon. Même s'ils sont un peu moins réputés, entre guillemets, sur la partie résine. Je suis parti sur la LD002H. Qui permet de sortir de la figue en 13 sur 12 sur 8, je crois, de tête. Ouais, je sais. Ouais, c'est un écran mono, en 2K. Et après, il y a sa grande sœur qui arrive là au mois d'avril, normalement, qui est la LD006, qui elle sera un écran 4K. Mais sinon, oui, je sais que le SLA, c'est la résine. Ouais. Non,
Je viens de le dire il y a deux secondes, je ne sais plus. 13 sur 1. De tête, c'est 13 sur 12, mais 13 sur 9 sur 12, pardon, mais j'ai un doute. Ouais, tout à fait, ouais. Ah non, tu parles de la 4K. Non, elle aura le plateau de la même taille que le... Peut-être un tout petit peu plus grand. On doit passer en... Alors, on passe d'un 13 sur 12 pour le... Ah bah, t'as, heureusement que t'as pas entendu les buts, Mricou, je m'en suis acheté deux hier. La carte bleue, elle a pleuré hier. Ouais, d'ailleurs, ce serait peut-être pas une connerie, hein. Ah, moi, j'ai pas encore reçu la mienne, hein. Je la reçois lundi ou mardi. Bah, je me doutais bien que j'allais réussir à te faire venir en te disant qu'Emrico allait se pointer au magasin. Je suis en train de chercher après perdu. Bah écoute, tu prends tes STL avec, comme ça je te les piquerai au passage, j'aimerais que c'est pas grave. Bah, moins cher que Tourcoing, je pense, déjà pour commencer. Et en plus de ça, on est quand même plus fréquentable que Tourcoing, quoi. On est des gens gentils, nous.
Ah, c'est juste à côté, ouais. Abricot, tout à l'heure, pas de soucis. Pourquoi tu cherches quoi, Cassel, plus tard? D'accord. Là, je pensais que c'était une blague, tu regardes vraiment les maisons Hasbrook. D'accord. Ah, t'as pas de jardin là actuellement où t'es. Ok, tout à l'heure. J'espère qu'ils dessinent rien de con d'ailleurs sur le stream de dos parce que je surveille pas depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire d'eau là? Il est en train de chanter dans son stylet ou quoi? Vu sans le son, c'est étrange. Hein.
Essaye de ne pas trembler. Allez, c'est la petite pause, à tout à l'heure.
Bon allez, petit loup. Oui, on se voit, oui. Ça va être l'heure pour moi d'aller préparer à manger. Bon, on va aller faire un petit tour chez Dohan. Coucou. Et en attendant, je reviens à mon avis dans la soirée. Hein. En attendant, je vais vous souhaiter donc une bonne soirée pour ceux que je ne reviendrai pas. Et puis on se revoit tout à l'heure pour oui, on se voit, tous ceux qui veulent nous accompagner. Voilà, donc on va aller faire un petit tour. Si, si, il a bien compris. On va arrêter le petit, ça va lui faire plaisir. Allez, à tout à l'heure. À part ça, je vais manger. Laisse le live en fond. Allez, oui, on se voit, oui. J'arrive. Coucou. Si, si, il a bien compris. Ah, bah, tu viens d'arriver. Oui, je partais faire à manger, alors je vous envoie chez Douane pour une petite heure, le temps que je fasse à manger. Et qu'on mange. Et ensuite, je risque de revenir, effectivement. Coucou. Ok. Allez, à tout à l'heure, tu fais un gros bisou de Anne de ma part. Si, si, bien compris. À toutes. Ok. Allez, à tout à l'heure, tu fais un gros bisou de Anne de ma part. À toutes. Oui, on se voit, oui. J'arrive. Coucou. Si, si, il a bien compris. Il dessine des cartes, il m'a envoyé, ouais.